Alors, je sais qu'on a aussi une forte attente autour de ce sujet sur l'intelligence artificielle. Et je remercie Clémentine Mercier, journaliste au service culture du journal Libération, d'avoir accepté notre invitation. Clémentine qui s'est préoccupée de ces intelligences artificielles et comment elles venaient percuter le monde de la photographie. Voilà, donc je sais que Clémentine s'est emparée de ce sujet récemment et a pu échanger avec les intervenants qui ont accepté notre invitation. Donc je la laisse modérer cette table. Merci à vous d'avoir accepté de venir témoigner et d'échanger au Parlement de la photographie. Ça ouvrira beaucoup de questions, je pense, après. Donc nous réserverons une plage d'une quinzaine de minutes pour échanger ensemble avec vous. Mais je vous remercie d'ores et déjà de votre attention et de rejoindre vos places. Merci beaucoup. Bonsoir. Tu m'entends ? Oui. Merci d'être nombreux pour assister à cette table qui nous intéresse tous. Si vous êtes là, c'est que vous n'avez sûrement pas pu échapper à notre président Emmanuel Macron en éboueur, ou au pape François en énorme doudoune, ou encore Barack Obama qui s'offre un énorme cornet de glace avec Angela Merkel. Dernièrement, les intelligences artificielles dans le domaine de l'image nous en ont fait voir de toutes les couleurs, d'autant plus que ces images virales et générées avec des outils très récents existent grâce à des textes, des descriptions, des scripts ou des prompts. On vous a épargné en ouverture la doudoune. C'est une image de Cindy Sherman, du compte Instagram de Cindy Sherman, une des plus grandes photographes actuelles, qui fait des expérimentations à l'aide d'IA. Et donc, ces fameux clichés ultra réalistes, presque crédibles, bien que totalement fantaisistes, ont déboulé dans notre champ visuel. En mars 2023, en fait, juste après la sortie de la version 5 de Midjourney, et tout d'un coup, toute la photographie, tous les professionnels et amateurs de photos ont soudain pris conscience qu'une nouvelle épreuve les attendait. Soudain, une machine pouvait créer une simili-photographie sans appareil, sans prise de vue, sans photographe, sans modèle. Avec de simples mots, l'impensable est devant nos yeux. Et ce qu'on croyait être le propre des humains, la création, des robots sont soudain capables de le faire, de dessiner, de créer des visuels qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des photos. Force est de constater que l'œil, aujourd'hui, a du mal à faire la différence entre une image créée par IA et une photo faite par la lentille d'un photographe. Le titre de cette conférence, vous l'aurez compris, a un double sens. Par épreuve, on entend le choc, l'impact, le séisme que ces programmes vont avoir sur les métiers de la photo. Les IA vont-elles bouleverser les métiers de photographe, d'iconographe, de retoucheur, d'agent de photographe, de photojournaliste, de mannequin, de set designer, d'artiste? Une étude de la banque Goldman Sachs, en avril, estime qu'un quart des tâches dans la société, en général, pourrait être automatisé par l'IA. Mais par épreuve, il y a un double sens. On entend aussi test, image, exemplaire. Donc, est-ce que l'IA n'est pas aussi une évolution de la technologie contre laquelle il est difficile d'aller? Elle fait partie de notre environnement, dans nos smartphones, dans les logiciels de photos, dans les logiciels de prise de vue. Donc, l'IA, est-ce qu'elle ne va pas nous propulser la création vers de nouveaux horizons, tout comme la photographie, quand elle est née, a bouleversé la peinture? Est-ce que c'est un nouveau pinceau dans le champ de la post-photographie? Et où est-ce que les IA sont comme des gros perroquets qui se gavent de statistiques et qui recrachent sans comprendre les images? Petite définition de l'IA avant de donner la parole aux autres. Dans les années 50, avec l'apparition des ordinateurs, on a défini l'IA comme la science qui consiste à faire aux machines ce que l'homme ferait moyennant une certaine intelligence. Depuis cette date, c'est un domaine de recherche, un mot valise, et aussi un secteur d'investissement, ne l'oublions pas. Les années 2010 sont un tournant, car plusieurs facteurs se conjuguent, à la fois la capacité de calcul exponentielle des machines, le big data, c'est-à-dire la disposition à grande échelle de données grâce à Internet,
et les progrès de la recherche sur les réseaux de neurones, c'est ce qu'on appelle aussi le deep learning, un procédé dans lequel l'IA, en fait, mime le cerveau humain. Et en ce qui concerne notre domaine plus spécifique, le domaine visuel, il y a les générateurs d'images dont j'ai parlé, on en parlera un peu après, mais aussi d'autres façons de travailler avec l'IA. Alors, un petit plan pour cette conférence. Tout d'abord, comment fonctionnent ces boîtes noires. Ensuite, on verra les splendeurs et les défauts de ces intelligences artificielles. Est-ce qu'on est en pleine disruption ou au contraire uniformisation visuelle? Bien sûr, on évoquera le danger des fake news. Est-ce que ce sont des outils aussi sans foi ni loi? Parce que c'est un phénomène très nouveau. Et enfin, quelle place pour les photographes et les artistes? Alexandra Bensamoun, professeure de droit, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Vous avez fait vous êtes co-autrice d'un énorme rapport auprès du ministère de la Culture sur l'IA et la culture. Et on voit que l'IA est déjà partout, dans la création, dans la programmation, dans la recommandation. David Fati, vous êtes artiste. À ma connaissance, vous êtes le premier à avoir publié un livre avec des images générées par IA lors de Paris Photo en 2022. Vous nous parlerez de ces projets. Yann Philippe, vous êtes photographe, spécialiste de la retouche photo et au cœur de la production photo puisque vous êtes enseignant à Gobelins. Et Justine Aymar, enfin, plasticienne et vous adorez les nouvelles technologies. Vous êtes souvent dans les labos, fourrés dans des grottes et vous faites des choses incroyables. Alors, comment ça marche ? Justine, vous allez nous présenter vos œuvres. Après, on verra les autres générateurs. Et je voulais vous poser comme question, Justine, comment avez-vous utilisé l'IA dans vos œuvres ? Comment vous y êtes prise ? Et pourquoi c'est intéressant pour vous ? Alors, bonjour à toutes et tous. Merci, Clémentine, pour cette invitation et au Parlement de la photographie. Bravo pour vous attaquer au sujet parce que c'est vraiment, il faudrait je pense un colloque entier pour débattre et je trouve que cette question de l'épreuve elle est très juste. Alors moi je me présente, je suis Justine Aymar, artiste, je crée des formes à l'intersection de plusieurs disciplines et champs scientifiques que je mets en scène dans mes œuvres, qui sont pour la plupart des dispositifs, des installations qui tendent à repousser les limites de l'image. Je travaille autour de protocoles que j'invente entre humains et non-humains. Et je suis également très sensible à l'expérience de l'apprentissage entre l'humain et la machine. Et je m'intéresse aussi beaucoup au phénomène de l'émergence de nouvelles formes de vie, qui est centrale dans ma pratique. Alors, quelle présence a l'intelligence artificielle dans mes protocoles de création? Elle est présente de plusieurs façons. Je vais vous en présenter trois, avec trois œuvres différentes. Je ne vais pas seulement parler de génération d'images, de logiciels qui permettent de génération d'images, mais aussi de dispositifs invisibles, spatiales, réactifs, d'installations multidimensionnelles. Vous avez fait 9 œuvres avec l'intelligence artificielle, c'est ça? Oui, là je vais en présenter 3, qui ont des directions différentes pour aussi ouvrir cette question du dispositif qui pour moi est importante. Tout d'abord, peut-être une précision, est-ce que je me posais toujours cette question, est-ce que intelligence, c'est le bon mot, puisque c'est un concept très anthropomorphe et que moi j'utilise des systèmes qu'ils ne sont pas forcément. Je préfère parler de réseau de neurones. Quand on parle d'intelligence, il y a toujours aussi ce biais de la comparaison avec l'être humain, donc la quantification, les tests de QI, et qui amène forcément une forme de mise en compétition. Donc, est-ce que tout d'abord c'est un bon terme? Et je voudrais débuter avec cette installation Hyperfantasia des origines de l'image, une œuvre que j'ai créée l'année dernière lors de mon invitation comme artiste professeur au Frénois. Originellement, le concept de la fantasia, c'est ce qui mêle le rêve, l'imagination et le fantôme pour nous guider jusqu'à l'idée de l'image, ce qui apparaît. Et c'est une installation qui aborde l'origine de l'image, plus particulièrement deux origines de l'image autour desquelles j'ai voulu travailler. La première origine de l'image est celle des premières images de notre humanité dans les parois des grottes, avec un travail que j'ai réalisé en collaboration avec la conservation de la grotte Chauvet. La grotte Chauvet, petit rappel, cette grotte qui a été découverte en 1994, qui contient des milliers de peintures, sculptures, gravures,
qui sont datées d'il y a 38 000 ans. Et comme l'a justement noté Clémentine, mon idée était de connecter 38 000 ans de technologie de l'image en travaillant sur différents corpus. Donc j'ai tout d'abord exploré cette base de données de la conservation de la grotte. Donc il y avait aussi cette volonté de faire parler une donnée, de faire parler cette dimension de la donnée inaccessible. Et j'ai ensuite entraîné des réseaux de neurones à partir de ces différents corpus à générer des nouvelles images de la préhistoire. J'ai travaillé en sélectionnant des images de l'espace latent et sous le regard également de Jean-Michel Geneste, préhistorien, ancien conservateur de Lascaux et de Chauvet, qui m'a aidé à me repérer dans tout cet espace multidimensionnel et à faire des choix qui me paraissaient intéressants pour leur ressemblance presque figurative, mais tout en restant dans peut-être l'appréhension de l'apprentissage de la machine, qui est quelque chose qui est assez important dans mon travail. J'ai reconstitué un espace latent entre toutes les images qui composaient le scénario, et c'était pour moi intéressant, cette dimension aussi scientifique, de travailler à partir d'une base de données particulière, c'est-à-dire qu'on sait d'où on part et on sait où on va, et juste dans la direction. Qu'est-ce que c'est l'espace latent ? L'espace latent, c'est tout l'espace qui va être généré par la machine. Elle va générer des milliers d'images, et donc vous les regardez toutes. Il y en a qui sont très très proches, et en fait c'est un espace à multidimensions où à partir d'un choix d'images, on pourrait partir dans toutes les directions. Et donc c'est assez énorme comme génération, et ça, c'était très intéressant de aussi avoir le regard d'une personne qui a cette mémoire de la grotte, qui a l'empreinte de la mémoire de la grotte à l'intérieur de son cerveau, puisque justement, une des deuxièmes directions de ce projet, donc toujours autour des origines de l'image, c'est l'origine de l'image dans le cerveau, avec la reproduction d'une image à la surface de notre cortex visuel, qui pour moi est intéressant, puisque c'est dans la même zone où se reproduisent la perception, l'imagination, les rêves et les souvenirs. C'est comme notre cinéma intérieur. Et donc j'ai créé toute une série de sculptures à partir d'enregistrements encéphalographiques d'astronautes lorsqu'ils dorment dans l'espace. Avec Rachel Debs, la neurologue du CNES, nous avons établi un répertoire des 23 rêves de l'espace, de tous les rêves que nous avons pu répertorier. Et grâce à un logiciel paramétrique d'architecture, j'ai pu créer une série de 23 sculptures qui sont l'incarnation, la représentation de ces 33 moments de rêve, et qui participe à cet imaginaire fictif qu'est l'espace d'hyperfantasia. Ce qui m'intéressait, c'est quand on entre dans l'installation, on est dans cet espace multidimensionnel qui part du fond des grottes jusqu'à l'espace de la préhistoire, jusqu'à nos jours, jusqu'au même au fin fond de notre cerveau, puisque j'ai souhaité travailler une dimension sonore très particulière aussi, qui est l'enregistrement du bruit des neurones. Alors, si on peut mettre du son. Normalement, il y a le son. Non, je crois qu'il a été coupé, là. Il est coupé. Je vous invite à aller voir la vidéo sur YouTube. Et donc, j'ai travaillé avec une neurochirurgienne pour enregistrer le bruit des neurones, donc la connexion entre deux neurones qui me permettaient de changer d'échelle, de ramener de l'organique à l'intérieur de cette installation et de recréer un espace sonore avec la quadriphonie présente. Désolée, ça marche pas. Je vais pas. Continuer vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, allez. Et toujours pour continuer sur le cortex visuel, notre cinéma intérieur, en 2021, j'ai participé à la commande nationale photographique Image 3.0 du CNAP en collaboration avec le Jeu de Paume, une commande publique autour de l'image et de ses technologies innovantes qui a été créée aussi lors d'une période particulière qui était en pleine pandémie. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce voyage mental, à ce qui se passait à l'intérieur. Et j'ai créé cette installation Neurosynchronia qui est neuroréactive. Donc elle consiste en un environnement 3D en temps réel avec une interface neuronale que les visiteurs sont invités à s'appareiller, qui est composée d'électrodes sèches. Et le regardeur expérimente une interaction dans un écosystème virtuel par la pensée et la force de sa concentration. Donc c'est un dispositif qui rend tangible le phénomène qu'on appelle du neurofeedback, c'est-à-dire de pouvoir interagir dans une image, faire éclore des images avec l'analyse en temps réel de l'EEG.
On embarque pour un voyage dans notre intériorité où les images se reconfigurent. Donc j'ai travaillé à partir de scans 3D d'environnements façonnés par l'imaginaire. À la fin, notamment, on voit le scan 3D que j'ai réalisé pendant le confinement dans le palais du facteur cheval, comme un écho, une sorte d'hommage à cette image du palais mental. Et donc tout ça pour dire que c'est une technologie qui n'aurait pas pu voir le jour sans les progrès de cette dizaine de dernières années dans l'intelligence artificielle, puisque c'est un algorithme de machine learning qui permet de définir la signature neuronale de chaque visiteur, puisque chacun a un cerveau différent. Et comment est-ce qu'on analyse et on comprend ce cerveau? C'était tout un enjeu. Donc l'IA pour décoder des images mentales en temps réel, c'était une commande absolument fascinante. Et la troisième et dernière direction autour de l'intelligence artificielle que je voulais aborder, c'était avec l'œuvre Supraorganisme qui nous amène sur la piste de l'émergence. Ce que je voulais rappeler, c'est que l'intelligence artificielle est un champ scientifique qui émane de celui de la vie artificielle, créé en 1986 par Christopher Langdon, qui est l'observation et l'étude de systèmes présents dans la nature, resimulés par l'ordinateur. Et pour moi, c'est la génération d'une présence, une nouvelle forme d'apparition, et de laisser la parole à une intelligence collective cette fois-ci. Donc j'ai travaillé lors d'une résidence au ZKM à Karlsruhe, autour de l'observation du comportement d'un essaim d'abeilles. L'idée, c'était de le rendre tangible par une machine, par un ordinateur. Donc concrètement, c'était beaucoup de prises de vue, d'enregistrement de données et des heures à labelliser des abeilles pour que la machine puisse les reconnaître. Et puis ensuite, qu'elle puisse créer un logiciel computationnel qui allait déduire des trajectoires, des vitesses, des apparitions, des disparitions. Et on a même été jusqu'à la génération de prédictions sur ce que serait le futur de l'essaim d'abeilles. Donc là, en utilisant un GAN, un réseau de neurones génératifs, qui nous a permis de prédire, si vous voulez, dans un certain laps de temps, ce qui allait se passer. Et cette installation, en fait, dans mon travail, la notion de l'incarnation est très importante. Comment on incarne un logiciel dans une forme plastique, dans une machine, dans un robot? Et j'ai travaillé à partir de sculptures en verre soufflé, animées par de la lumière, des moteurs, qui créent une image projetée sur le sol, avec un clin d'œil pour l'apparition de la lanterne magique, presque un retour aux origines de l'image également, mais aussi une dimension sonore très forte, avec, des percuteurs qui viennent faire résonner le verre. Et donc un nouvel organisme se définit devant nos yeux. Donc voilà, pour ces différents protocoles, on n'est pas seulement dans l'application d'un outil, mais dans une recherche artistique en collaboration avec le monde des sciences. Et l'intelligence artificielle nous fait basculer dans une dimension où elle donne à voir l'invisible et nous aide à repousser les limites de l'image. Donc si je comprends bien, Justine, c'est vraiment l'enthousiasme et la poésie des intelligences artificielles dans votre cas. Maintenant, Yann va nous faire une petite explication de comment fonctionnent les générateurs qu'on a vus arriver sur nos écrans récemment et qui sont à disponibilité de tous pour peu qu'on s'y inscrive. Oui, alors bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup Clémentine pour l'invitation à ce Parlement de la photographie. Moi, je me suis intéressé aux intelligences artificielles depuis 2016 environ en tant que retoucheur, puisque ça constitue une grosse partie de mon métier. Et ça nous a énormément servi dès le début pour tout un tas de choses assez disparates, comme les agrandissements d'images, choses qui étaient impossibles. Quand j'étais plus jeune, on disait que l'agrandissement d'une image x3, x4, c'était impossible, on ne pouvait pas, donc toutes les images qui étaient en petit format sur Internet étaient protégées. Bon, aujourd'hui c'est terminé, on peut récupérer une image de format d'un timbre poste et l'afficher sur ses murs en 5 mètres de haut grâce à l'IA. On peut coloriser des images noir et blanc, on peut fluidifier un film. Donc tout ça, en fait, ça a été des petites incursions dans le monde de l'image que j'ai trouvé très pratiques, mais qui n'étaient que des outils. Et puis, d'un coup, la révolution de ces fameuses IA génératives, maintenant pour le grand public, ça fait un an. Et pourtant, la technologie n'est pas si vieille, puisque ça date en fait de 2014, ces fameux GAN dont on parle. Donc voilà, je vais revenir très rapidement sur le fonctionnement. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui ont déjà testé les IA, Midjourney, DALL-E, Crayon, je ne sais pas, lever un peu la main, qu'on se rende compte.
Ouais, quand même une bonne partie, je dirais un quart, un tiers de l'assistance à peu près. Tout le monde connaît alors. Ouais, et comme beaucoup de monde qui s'est déjà amusé avec. Alors, je reviens très rapidement sur le fonctionnement. Alors déjà, vous savez que les images peuvent être analysées. Ça, pour les moteurs de recherche comme Google, c'était un besoin absolu, c'était de pouvoir avoir des mots-clés sur des images et pas juste d'analyser du texte en ligne. Donc, sur des images, vous avez entraîné ces images. Hein, quand vous sélectionnez la petite moto ou la borne d'incendie ou le passage piéton quand vous devez vous connecter, c'est vous qui entraînez les IA. Alors là, c'est spécifiquement pour les voitures, mais ailleurs dans le monde, ça a été entraîné pour ça. Alors, il se trouve qu'il y a d'énormes datasets qui ont été créés. Alors, c'est quoi un dataset ? Un dataset, finalement, ce sont des couples images et texte, donc l'image et la description. Un des plus connus, c'est le Lion 5B, 5B comme 5 milliards d'images. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, 5 milliards d'images, si vous regardiez toute votre vie des images pendant une seconde, vous regardez l'image pendant une seconde et vous dormez que 7 heures par nuit, mais vous passez votre vie comme ça à regarder des images, il vous faudrait deux vies complètes pour voir l'intégralité des images de Lion 5B. Donc cette base-là est une de celles qui a servi à l'entraînement des IA, et on en reparlera plus tard. Le gros problème, c'est que cette base a son bon lot d'images copyrightées, d'ailleurs, qui ont servi à l'entraînement. Alors, ensuite, on a eu les fameux GAN. Alors, les GAN pour générateurs neuronaux adverses ou adversariaux, selon la traduction. Je vous ai fait une petite analogie parce que ça devient très technique et je vois qu'il y en a un ou deux qui baillent déjà, donc forcément, on va essayer d'aller vite là-dessus. En gros, simplement, l'idée qui provient d'un certain Ian Goodfellow en 2014 était de mettre en compétition deux algorithmes. Donc, il y en a un qui génère. Et il y en a un qui discrimine, donc il essaye de voir si la génération du faussaire est plausible ou pas par rapport à un échantillon. Le fameux jeu de données d'entraînement, c'est l'échantillon. Alors petit à petit, comme ça, on va pouvoir entraîner de plus en plus rapidement le GAN, et au bout de journées, de nuits, de semaines d'entraînement, on arrive à des résultats de plus en plus probants, de plus en plus réalistes, et surtout avec des images de plus en plus grandes. Donc là, vous voyez, on est petit à petit des images qui font 1024 par 1024 pixels. Okay. Alors, bon, ensuite... On a donc réussi, outre juste la description, à avoir une description complète. Hein, l'image, on a la description de personnes qui jouent au ballon. Et l'idée des informaticiens à ce moment-là, c'était d'essayer de faire l'inverse, de partir de la description et de générer l'image. Donc, comme vous le voyez, on a eu des progrès fulgurants là, en 4 ans, hein, notamment sur juste un visage. On a réussi à faire ça. Alors, jusque-là, c'était encore assez simple, puisque les fameux GAN arrivaient à générer des choses très précises, c'est-à-dire qu'il fallait un GAN pour les visages, un GAN pour les voitures, un GAN pour les chats, etc. Et c'est là qu'arrivent les fameux modèles de diffusion qui sont en fait le fonctionnement actuel. Donc, l'idée est très simple. En gros, c'est de partir d'une image et de la dégrader jusqu'à du bruit complet. Vous savez, si pour les utilisateurs, utilisatrices de Photoshop, quand vous mettez le curseur bruit au maximum, c'est des pixels aléatoires. Et en gros, l'algorithme va retenir le chemin de dégradation. Le chemin, comment est-ce qu'on arrive jusqu'au bruit. Et en fait, à un moment donné, une fois qu'il a retenu tous les chemins, eh ben, on va lui donner du bruit et on va lui dire maintenant fais le chemin inverse. Et une fois qu'on connecte tout ça à des mots, eh bien, on arrive à générer tout et n'importe quoi. Alors, je vous ai fait une petite démo ici. Je pense qu'on n'a pas le temps, Yann. Ouais. Je pense qu'il faut... Alors, vous avez fait un super boulot d'explication, mais je pense qu'on va aller directement... À l'image. À l'image que vous avez générée. Racontez-nous juste en deux secondes ce que vous avez voulu... Juste l'image, simplement. J'ai demandé des mots. J'ai demandé de générer la scène actuelle, en fait. J'ai dit qu'il y avait des gens, des photographes, des faiseurs d'images qui se retrouvaient dans une salle. Et j'ai demandé à l'IA de leur mettre des chapeaux et qu'ils étaient en train de regarder un robot menaçant. Et l'IA a généré l'image que vous voyez actuellement. Donc on est avec un petit peu de raffinement dans une image qui petit à petit se veut photoréaliste. Donc c'est vraiment le gros danger. Et aujourd'hui on se retrouve avec ce genre d'outil qui est dans Photoshop en fait. Et donc on va pouvoir créer des images hybrides qui vont mêler à la fois IA et photographie. Voilà, donc là, il faut juste bien noter que beaucoup pensent que c'est simplement des pixels qui sont copiés-collés à partir d'images. Ce n'est pas du tout le cas. C'est comme si on avait pris des milliards d'images, qu'on les avait fondues ensemble comme un magma, si vous voulez,
et qu'à partir de ce magma réémergent de nouvelles images inédites. Ce n'est pas du tout du copier-coller, c'est comme si vous aviez pris d'anciens bijoux et vous les avez fondus pour en refaire de nouveaux. Alors le vrai souci, c'est qu'on peut en recréer comme ça tout un tas. C'est absolument incommensurable. Donc à chaque nouvelle génération, vous allez avoir une nouvelle image basée sur le même thème. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est fulgurant. Regardez l'évolution, là, entre février 2022 et mars 2023, on part d'un espèce d'agglomérat de pixels et on est maintenant à des résultats qui sont absolument photoréaliste, voilà. Donc, ces images splendides ou pas, on se le demande. David, vous avez expérimenté très tôt aussi, dès l'été dernier, je crois, sur ces logiciels, et vous avez eu envie d'en faire un livre, ou en tous les cas, vous vous êtes dit que c'était intéressant artistiquement. Peut-être que ça vaut aussi la peine que je dise que, donc, comme j'ai un background d'informaticien, c'est des outils que j'avais déjà commencé à tester déjà il y a quelques années. Et déjà à l'époque d'EGAN, j'essayais d'entraîner des algorithmes. Et les images que j'en sortais étaient intéressantes parce qu'elles étaient ratées. Et là, tout d'un coup, il y a eu ce changement de paradigme où tout d'un coup, les images sont intéressantes parce qu'elles sont réussies, qu'elles sont réalistes. Et ça, c'est ce changement de paradigme qui arrivait très vite, qui a été très perturbant. Donc c'est vrai que je faisais pas mal d'expérimentations dans mon coin. Et en voyant arriver donc ces nouveaux outils, alors que j'utilisais déjà certains des outils un peu plus anciens, et tout d'un coup je vois que ça s'accélère, je me dis qu'est-ce que ça veut dire. Surtout donc clairement, il y a un an, donc au printemps dernier, c'est qu'est-ce qui se passe avec ces outils qui accélèrent d'un coup, et qu'est-ce que ça veut dire. Surtout, on va dire, j'ai pris un point de vue un peu différent. C'est pas par exemple pour les travaux de Justine qui vont vraiment essayer d'aller loin dans où la technologie peut nous amener et expérimenter sur la technologie elle-même. Ce qui m'intéressait là, dans ce cas ici, c'était l'accessibilité. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était devenu très rapide, très facile, très accessible, très puissant. Et ça, ça change simplement le rapport à l'image. Ça crée des fonctionnalités émergentes qu'on n'avait pas avant. Donc en fait, dans votre travail, vous le remettez en perspective dans l'histoire de l'art. Ce qui était marrant, c'est que déjà, il y a deux ans, presque trois ans, les premières fois où j'essayais de générer des images, la première chose que j'ai voulu générer, c'était l'urinoir de Duchamp. Je me suis dit, c'était pour moi la métaphore la plus littérale, enfin la plus évidente, c'est prendre quelque chose qui vient de l'industrie, qui est ici dans le numérique, et de dire, ça c'est de l'art, j'ai plus besoin de la compétence du peintre, du photographe, j'ai pas besoin non plus de la compétence technique de l'informaticien pour créer. Donc au final, ce qui m'intéressait, c'est que c'était quelque chose qui paraissait nouveau, mais pourtant qui n'y a aucune question au final qui est réellement nouvelle là derrière, dans ce que ça rapporte. C'est encore une fois, quel est le statut de l'œuvre, quel est le statut de l'artiste, qu'est-ce qui est de l'art. C'est au final pas des questions nouvelles, on est toujours dans seulement des accélérations technologiques. Et je pense que ça va être la même chose quand on va parler des fake news et tout, c'est toujours une des questions d'accélération. Donc rapidement, je vais aller sur ce premier projet. Donc j'avais commencé à publier un premier livre d'artiste en novembre dernier. Avec l'éditeur, on s'était dit, on veut sortir quelque chose de rapidement pour voir où est l'état de la technologie maintenant, et on va travailler petit à petit sur une monographie plus importante qui va d'ailleurs sortir dans un mois. Mais donc il y avait eu cette première tentative où j'avais pris vraiment donc l'angle du champ et celui du jeu d'échecs, puisque la première intelligence artificielle au final où tout d'un coup dans les journaux on se dit, ah, ça peut concurrencer l'humain, c'était Deep Blue, qui a battu en 97 Kasparov au jeu d'échecs. Et donc c'est un petit livre où je fais plein de points, je tisse des liens entre des dates clés, c'est-à-dire qui riment en plus. 1827, la première photographie, le point de vue du gras. 1917, l'urinoir de Duchamp. Et 1997, Deep Blue qui bat Kasparov. Donc c'était vraiment une première tentative en fait. Et petit à petit, moi, ma réflexion a débouché vers ce projet qui est un peu plus important et qui est une réflexion un peu plus poussée sur où vont aller ces images, et surtout qu'est-ce que ça veut dire cet accès aux images. Et donc je pars sur un projet au final où, et c'est marrant parce que j'ai lu un article juste il y a quelques semaines d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Ted Chiang, qui explique que pour penser aux intelligences artificielles, on a toujours besoin de la métaphore. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose dans l'intelligence artificielle où on va commencer à créer des métaphores pour les penser. Et donc le livre en fait réellement prend trois métaphores centrales pour penser qu'est-ce que c'est une image générée par intelligence artificielle.
Donc il y a trois chapitres et donc il y a trois images. Je crois le premier chapitre c'est ce. Ben, on va commencer d'abord par le premier. C'est l'idée du musée. Et donc là on part vraiment sur le musée blanc. Et quand je dis blanc c'est à plusieurs niveaux. Il y a ce côté un peu pur épuré qui a l'air d'être simplement enfin neutre et objectif. Alors que ce que j'explore dans le livre c'est petit à petit que ces images donc proviennent donc de tout un dataset d'images. Elles proviennent de notre culture visuelle qui existe déjà et donc elle aura tendance à non pas créer des nouvelles images, mais reproduire les biais, les clichés, les stéréotypes de notre culture visuelle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle est plus quelque chose est commun, plus c'est facile à reproduire. Et donc, ça veut dire qu'un cliché, c'est quelque chose qui va être d'autant plus généré. Et donc, j'arrive sur ces images-là où je crée en fait une boucle de récursion, un feedback loop. Et là, c'est la deuxième métaphore, celle du feedback loop, c'est l'idée que petit à petit, on va générer des images, et on va générer de plus en plus d'images synthétiques. Ces mêmes images, à terme, forcément, elles vont se retrouver reprises, réabsorbées dans les datasets, dans les bases de données des outils, pour créer des nouvelles images. Et donc, petit à petit, les outils d'intelligence artificielle qu'on a, il y a une vraie crainte à ce niveau-là, c'est que nos outils d'intelligence artificielle vont être alimentés petit à petit par une majorité de leurs propres créations. Et ça, ce que ça va faire, ça va plutôt avoir tendance à accroître, accélérer une fuite vers une typologie d'image, ou en tout cas comme je disais, les biais, les stéréotypes. Et donc, le troisième chapitre, c'est un peu où va cette accélération des images, un peu à réfléchir, quelle est la métaphore pour dire quand on va de plus en plus créer des images synthétiques, où est-ce qu'on va créer, boucler. Et donc, comme les clichés ont une force gravitationnelle, plus elles sont présentes dans notre culture, plus les intelligences artificielles vont les attirer, il y a la métaphore du trou noir. Et pour moi, le trou noir, il est intéressant à deux niveaux. D'un, il y a cette force gravitationnelle, mais il y a aussi, au final, qu'est-ce qui se passe au-delà du trou noir ? C'est-à-dire qu'il y a plein de théories. Là, on rejoint de nouveau la science-fiction et un peu le côté futuriste. Les théories, une fois qu'on est absorbé par le trou noir, une fois que tous les atomes sont disloqués, il y a des théories comme ça serait des dimensions nouvelles, un voyage temporel ou peut-être juste le néant. Et donc c'est là où je réfléchis. Il y a des scénarios en fait avec ces intelligences artificielles qui sont très négatives, les choses où on se retrouverait complètement enfermé en fait dans une culture visuelle majoritaire et qui va se répliquer jusqu'à qu'on n'arrive plus à imaginer, qu'on n'ait plus d'autres imaginaires. Mais on peut aussi imaginer quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment sur l'intelligence artificielle, c'est la capacité. En fait, c'est les erreurs de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens comme ça qui vont dire, par exemple, ces mains qui ont 6 doigts, etc. Mais ce qui est intéressant dans les intelligences artificielles, c'est qu'elles ont une capacité à faire des pas de côté. Il y a un côté chaotique où, de temps en temps, on va dire, elles hallucinent. C'est un grand créneau des artistes, justement, d'essayer de faire cracher des images. Voilà. Et au final, il y a quelque chose de très proche de la création, en fait, dans ces hallucinations. Puisque c'est vraiment ce côté chaotique et ce pas de côté, au final, c'est la même chose en science ou en art. C'est, en fait, penser à quelque chose qui n'a jamais été vu avant et tout d'un coup, faire ce pas de côté auquel on n'a pas pensé. Est-ce que quand vous les avez utilisés, vous avez eu l'impression de tomber sur des os et de trouver justement ces biais, de tomber sur les biais de... Oui, complètement. C'est-à-dire que si on écrit personne, ce sera probablement un homme blanc. Si on écrit femme, ce sera probablement une femme blanche. Il y aura... Voilà, il y a mon nom maintenant. Alors justement, Yann nous a préparer une petite explication sur ces biais qu'on retrouve dans ces IA fermées. Oui, les biais sont énormes puisque l'IA s'auto-nourrit et puis alors c'est vrai que pour l'histoire d'une femme, c'est vrai que j'ai testé avec une belle femme, c'était assez connu, on a lu beaucoup d'articles là-dessus dans différents journaux et c'est vrai que c'était souvent une femme à la peau claire et du coup j'ai essayé de refaire le test avec Midjourney et je pense qu'ils ont eu connaissance de ce biais-là et qu'il a été corrigé, donc j'ai voulu le faire en démonstration face à des amis, et du coup je n'avais que des personnes à la peau noire cette fois-ci. Alors bon, je me suis dit, ils se moquent de moi, mais effectivement quand on teste, alors on le fait en anglais puisque majoritairement les IA fonctionnent avec la langue anglaise, c'est comme ça, c'est la langue qui est la plus utilisée sur internet, voilà, c'est tous les laboratoires, toutes les entreprises de recherche sont aux USA. Donc quand on tape un pompier, fireman, on se retrouve globalement toujours avec la même image. Donc là, j'en ai généré 100 et après 100 images, vous allez toujours avoir le même pompier finalement. Alors les images sont toutes différentes, mais à la fois c'est toutes les mêmes. Donc
masculin contre-plongée, bon, je vous laisse lire. On n'a que ça après 100 générations. Je ne suis pas allé plus loin. J'ai continué avec, en gros, un chef d'entreprise, un portrait de chef d'entreprise. Donc, il y a tous les styles. Hein. Vous avez du photographique, vous avez de l'illustratif. Mais on a, grosso modo, toujours la même image. Tant qu'on ne précise pas, l'image est biaisée. Et elle sera comme ça. Voilà, un couple gay qui s'embrasse. Bon, je croyais qu'on ne pouvait pas générer des baisers. Si, j'en ai fait un entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, d'ailleurs. Voilà, si, on peut faire les baisers. Après, plus loin, c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est très puritain, très, très américain à ce niveau-là. Donc là, pareil, toujours la même chose. On n'aura que des hommes blancs, jeunes, beaux, minces, à la mâchoire carrée. Vous n'aurez que ça si vous ne précisez pas. Et enfin, le portrait d'une alors flight attendant, j'ai pas précisé le sexe hein, puisqu'on est en anglais, donc c'est pas une hôtesse de l'air, c'est hôte ou hôtesse, mais il a choisi l'hôtesse. Donc là encore, d'après mon analyse, on a grosso modo toujours la même chose. Elle va être maquillée, souvent blonde, etc. Donc ces biais sont très présents et on va avoir du coup besoin de plus en plus en fait de création originale si on veut avoir des intelligences artificielles qui sont vraiment créatives. Alors on parlait d'intelligence artificielle. Si on prend la définition d'intelligence comme étant la mémoire plus la créativité, en tout cas moi c'est la définition que je retiens, en gros l'IA a une mémoire incroyable, mais par contre la créativité, ça, je me le demande. Il y a aussi des tabous. Par exemple, on ne peut pas. J'ai lu qu'on ne pouvait pas faire de génération d'images avec Xi Jinping en Midjourney, puisque le patron de Midjourney veut s'implanter en Chine, et donc c'est un mot interdit. Oui. La violence, le sexe. Voilà. Et de plus en plus, d'ailleurs, Midjourney commence vraiment, en voulant grossir, à rajouter de plus en plus en fait de filtres qui empêchent certains mots de passer. Alors c'est devenu un peu un jeu pour certains internautes de contourner les filtres, mais on se fait purement et simplement bannir de Midjourney si on s'amuse à ça. Donc voilà, plutôt que de générer, par exemple, si on veut faire des images gore, il faut jouer avec le langage. Si on ne veut pas mettre des intestins, il faut mettre des fils rouges. Voilà, il faut biaiser un peu le truc. Alors maintenant, le danger des fake news. David, vous avez aussi mis les mains dans le cambouis de ces intelligences et vous avez, je ne sais pas à quel moment, mais vous vous êtes dit, je vais générer une image de notre président. Et vous avez eu bien des surprises. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Oui, parce que c'est vrai que, par exemple, donc j'ai tout un travail artistique, mais aussi j'aime bien aussi, surtout sur les réseaux sociaux, penser aux images qu'il n'y avait que sur les réseaux sociaux. C'est pour moi un deuxième pan en fait de la réflexion sur les IA. Et c'est vrai que donc le moment clé, en tout cas au niveau des fake news, c'était cette version 5 de Midjourney qui réellement donne une possibilité de créer des personnes connues, qui était vraiment difficile encore même en version 4. Et donc c'est évidemment au moment de la réforme des retraites. Et donc tout le monde pense en fait. Et quand je génère cette image-là, je suis pas le seul à générer à ce moment-là. Tout le monde était en train de générer Trump, Macron, etc. Mais je voulais en particulier montrer cette image-là parce que pour moi, elle a quelque chose de particulier que beaucoup de gens n'ont pas remarqué au début et que je l'ai mis sur le réseau pour une raison très précise, c'est que je ne l'ai pas demandé. Mais au fond, en arrière-plan, on voit clairement qu'il y a des casquettes nazies. Un peu flou, mais c'est des casquettes nazies. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas demandé à l'IA de générer. Donc, c'est une connexion visuelle qui a été générée. Et en même temps, ça veut dire qu'il a créé une connexion visuelle entre Macron, l'émeute, etc., et nazi. On pourrait imaginer pourquoi. On pourrait imaginer donc, que émeute, donc violence, violence policière, violence d'État, nazi. Okay, mais ce n'est pas toutes les images qui avaient ça. C'est vraiment, donc, par exemple, une image parmi 15 qui avait des casquettes nazies en arrière-plan. Mais en même temps, cette image-là, s'est retrouvée sur Internet. Et puis après, des gens évidemment qui la reprennent, qui la postent sur Twitter et qui voient pas forcément casquette nazie, qui voient pas le contexte. Donc vous l'avez même retrouvé sur un site d'info. Je l'ai retrouvé sur des sites d'extrême droite et même sur un grand site d'info sans le contexte et ils savaient pas que c'est moi qui l'ai généré. Et j'ai parlé au journaliste qui l'a mis sur le site. Et je lui ai demandé mais est-ce que vous avez vu qu'il y avait des casquettes nazies? Elle dit non, désolé, je me rends compte que je n'ai pas vu. Donc c'était en fait une image maintenant qui se dissémine. Et c'est là où on va arriver à l'histoire du feedback loop. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ces images, en fait, on ne sait pas forcément leurs origines, vont se retrouver sur Internet, vont ensuite démultiplier et vont être absorbées dans les datasets. Et cette connexion visuelle-là, qui n'est pas forcément quelque chose qui a été voulu consciemment par quelqu'un, va
se retrouver à être de plus en plus facile à reproduire. Voilà. Vous avez c'est un autre projet, celui-là je le connais moins, les vivants Vers les morts. C'est tout nouveau. Hein. C'est quelque chose que je viens juste de commencer parce que je vais le présenter au festival du journalisme à Couture. C'est en écho à leur sujet sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur la démocratie et la peur de l'autoritarisme. J'avais créé un projet il y a quelques années pour la maison Auguste Comte qui s'appelait Les morts gouvernent les vivants, et je collectais des images, des vraies images sur YouTube, des bulletins télévisés d'hommes politiques qui se battent à main nue dans les hémicycles à travers le monde. Donc j'avais créé une extension vidéo où on dirait presque des masses de zombies qui se battent, mais en cravate et en bouton de manchette. Et donc c'est un projet que j'ai représenté juste en début d'année, et un journaliste qui a un peu rapidement vu le sujet, a vu que je faisais de l'intelligence artificielle et a vu ce projet-là, et a dit « Ah, il utilise l'intelligence artificielle pour générer des hommes politiques qui se battent. » Et là, je me dis « Ben non, en fait, ça, c'était des vraies images, mais on commence à les douter, on commence à penser que c'est des fausses images. » Donc, en fait, je me suis dit « Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas aussi, en fait, inverser ce projet-là et les recréer, mais par l'intelligence artificielle ?» Et je me suis rendu compte qu'il y a une typologie d'images qui est tellement précise, en fait, des hommes politiques qui se battent. Ça existe, il y a des images, mais elles se ressemblent tellement, en fait, même dans la vraie vie, que l'intelligence artificielle fait des images qui sont pour moi très photoréalistes, qui n'ont pas juste un aspect bien léché, mais quelque chose de flou, de raté, qui fait presque plus réaliste qu'une image réussie, pour moi. Bon, on va vous épargner celles que vous connaissez tous. Hein. Mais c'est vrai que là, on arrive à la confusion entre une image qui a été prise par un photographe et une image générée. Ça, c'est Yann, vous avez... Oui, alors effectivement, moi j'ai été vraiment stupéfait quand j'ai vu ça, parce que j'ai commencé à utiliser Midjourney un peu comme tout le monde. Je crois que c'était en avril 2022, donc ça faisait tout juste un an, et on faisait des choses qui étaient très, très illustratives, très picturales. Et là, un an plus tard, on se retrouve avec des images qui sont quasiment, en tout cas pour l'œil du profane et qui n'ira pas chercher la casquette SS au fond, on arrive avec des images qui sont indiscernables. Et l'image des casques de CRS est totalement passée pour une image générée par une IA sur les réseaux sociaux, alors que c'est Stéphane Mahé, un photographe, qui l'a réalisé. Donc c'est très bien composé, très bien éclairé, très impressionnant. Et quand on regarde alors j'ai pris un petit florilège là, mais il y en avait vraiment des centaines, en fait, de réactions. Le public pensait que c'était une image générée. Donc aujourd'hui, c'est indiscernable. Et dans l'actualité, parfois même les journalistes, dans cette espèce de frénésie d'infos à consommer à la seconde, peuvent se faire berner. Et c'est ce qui est arrivé avec cette image que vous avez sans doute vue c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines, un panache de fumée juste à côté du Pentagone, et en fait, à tel point que les bourses sont dévissées aux USA. Alors, pendant pas longtemps, hein, ça a duré quelques minutes, mais 0,3% de pertes, qui est énorme au niveau boursier, hein, ça représente quand même des milliards, suite à cette image-là. Donc c'est la première image générée qui a un impact direct, en fait, sur l'économie et sur les cours boursiers. Donc là, on est quand même dans des vrais questionnements. On n'a pas le temps pour le vrai ou faux, parce qu'il va falloir parler au droit. Bon, vrai ou faux ? A ou B ? Laquelle est vraie, laquelle est fausse ? A, qui dit la vraie ? A la vraie, B la fausse ? A. Verse. Allez. On les enchaîne vite. Vrai ou faux ? A ou B ? B, c'est faux. B, c'est faux ? Okay. Vous êtes hyper forts. Ils sont très doués. Ils sont super doués. Bon, on arrête. Ils sont entraînés. Vrai ou faux ? A ou B ? Ah, c'est faux. Raté. Raté. Vrai ou faux ? A ou B ? Alors ça, très difficile. Le vrai cheesecake. Ou le faux. Ils donnent faim tous les deux, je crois. La dernière, je crois. La dernière, oui. Donc vrai ou fausse. Bon, là il y en a une qui est connue cette fois-ci. Intelligence artificielle. Voilà. Oui. Alors maintenant, nous en arrivons à la question juridique. Alexandra, c'est votre moment.
puisque nous avons vu que ces intelligences artificielles créent pas mal de problèmes dans leur fabrication même. En lisant votre rapport, on comprend qu'il y a l'input et l'output. Déjà, à l'input de ces machines, même si IA nous dit que c'est de la fusion, que tout ça se mélange, à l'origine, pour créer ces générateurs, des images protégées par le copyright ont été utilisées. Alors, quand on légalise ces outils, est-ce qu'on légalise des braqueurs de données, des sociétés de la tech vampire qui s'enrichissent sur le dos des artistes et des photographes? Merci pour la question. Polémique quand même sur les bords, Clémentine. Alors d'abord, je voudrais remercier le ministère qui, une fois de plus, s'illustre par sa modernité. Le ministère de la Culture en France, par son travail, verse beaucoup dans la modernité et je trouve ça très important. Et il s'empare aujourd'hui de ce sujet depuis déjà quelques années, de l'intelligence artificielle. C'est fondamental pour nos artistes et nos auteurs. Alors moi, j'ai envie de vous dire que Yann a raison, puis que vous avez raison aussi, peut-être un peu, Clémentine. Yann a raison parce que ce qui se passe en amont, donc on vous a expliqué qu'il y a des datasets, on va dire en français, des bases d'entraînement, dans lesquelles on va reproduire un certain nombre de données. On parle de données puisqu'on est en informatique, ces données pouvant être en effet des œuvres, c'est-à-dire des créations artistiques, des photographies, qui vont donc venir nourrir l'intelligence artificielle. Mais ces données, elles ne sont pas utilisées en tant que telles, elles ne sont pas utilisées en tant qu'œuvres, elles vont être utilisées pour leur apport informationnel, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'opération qui est réalisée en amont sur ces inputs est une opération de déconstruction totale. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on ne reprend pas juste... je ne sais plus c'est vous, David ou Yann, on ne reprend pas juste des pixels hein, qu'on accole ou qu'on colle les uns aux autres pour reconstruire une sorte de collage ou de patchwork. Ce n'est pas ça du tout, la génération par une IA. C'est la déconstruction des contenus en amont pour identifier uniquement des relations, des corrélations, des distances, donc on va mesurer en quelque sorte hein, les contenus en amont, on va les déconstruire pour en tirer uniquement des données mathématiques. Et puis ce sont ces données ensuite qui vont permettre à l'intelligence artificielle d'induire des règles, donc des règles de création. Par exemple pour ChatGPT, violence, bah, peut-être que dans le contenu, dans le corpus d'entraînement, dans violence, eh bien, il peut y avoir, ou Midjourney, ou Dali, peu importe, dans violence, il y a un mot qui est un peu plus loin qui doit être nazi. Et donc, c'est cette distance entre les mots, cette distance entre les couleurs, cette distance entre les formes qui va être réutilisée pour permettre de générer des règles et ensuite d'appliquer ces règles générées par l'IA à des nouvelles créations à partir d'un prompt. On a vu, le prompt, c'est l'ordre qu'on donne à la machine, qu'on donne au système d'intelligence artificielle pour générer un résultat. Alors, voilà comment ça fonctionne. Maintenant, est-ce que c'est un pillage? C'est ça, ma question, en fait. Est-ce que c'est un pillage? Évidemment, personne ne nous a demandé l'autorisation de pouvoir être miné, de pouvoir être fouillé. Hein. Tous les contenus qui sont sur Internet sont fouillés, sont minés. Comment ça se passe juridiquement? Eh bien, le législateur européen a mis en place deux exceptions au droit d'auteur et au droit voisin du droit d'auteur en cas de fouille de textes et de données. Donc, cette opération amont, elle fait exception à l'application du droit d'auteur. Tout à l'heure, vous avez dit du copyright, mais ce n'est pas exactement la même chose. Donc, c'est vraiment du droit d'auteur et des droits voisins au niveau européen. La première exception, c'est pour le domaine de la recherche. Ça ne pose pas de questions. En général, les titulaires de droit ne rechignent pas. Ils comprennent tout à fait que pour la recherche, il y a besoin de la suspension des droits, comme ça, donc d'une exception au monopole. En revanche, celle qui fait plus grincer les doigts, c'est l'exception générale. Tout usage, tout bénéficiaire, ce qui signifie que les acteurs aujourd'hui du numérique bénéficient d'une exception au droit d'auteur et au droit voisin du droit d'auteur pour pouvoir fouiller ces contenus, avec quand même une limite, que les titulaires de droit ne se soient pas opposés à la fouille. Alors là, vous allez me dire... Alors comment on en sort? Comment on fait? Comment on s'oppose à la fouille? Il y,
y a différents moyens de s'y opposer. Ça, c'est l'objet d'un deuxième rapport que j'avais fait pour le ministère de la Culture sur le texte en data mining, donc sur la fouille de textes et de données, pour pouvoir transposer en droit français les exceptions européennes. On peut le faire par des métadonnées qu'on accroche à au fichier numérique, NotEDM. On peut le faire aussi par du marquage, du watermarking, donc vraiment intégré à l'image. On peut le faire par des moyens encore plus protecteurs, des dômes de protection, par exemple, comme le fait la presse. Cela étant, soyons clairs, lorsqu'on parle de photos, lorsqu'on parle d'images, on est face à des réalités un peu différentes, c'est-à-dire on est face au nombre. Comment on fait quand on est photographe et qu'on a un stock de centaines de photos pour tous les marquer ou pour tous les protéger, et puis d'abord c'est en ligne, et puis c'est comme ça d'ailleurs qu'on fait sa publicité, il faut bien que ce soit en ligne, c'est comme ça qu'on est connu, c'est comme ça aussi qu'on existe. Donc comment on fait pour s'opposer, pour exercer ce qu'on appelle cette opt-out, donc cette sortie de l'exception. Sans compter que je dois vous avouer que les métadonnées ne sont pas très efficaces. En réalité, elles peuvent être écrasées très facilement. Même le watermarking, on peut passer outre. Donc on va dire que ces outils de sortie de l'exception pour l'image, ce n'est pas quelque chose de très efficace. Ce n'est pas quelque chose de très pertinent. Est-ce que vous suivez les procès qui sont en cours en ce moment aux États-Unis, des artistes qui se sont mobilisés et qui... poursuivent Midjourney, je crois, ou Stable Diffusion. Stable Diffusion. Pardon. Alors, heureusement, il y a pas mal de procès, il y en a quelques-uns, on va dire, il y a Royaume-Uni et puis États-Unis. Aux États-Unis, ils n'ont pas le même système, c'est donc le copyright. Nous, c'est le droit d'auteur. Nous, en droit d'auteur, on a une liste fermée d'exceptions. On a une vision très, on va dire... on appelle ça en latin in favorem auctoris, c'est-à-dire on a une vision très protectrice de l'auteur et des titulaires de droit en droit français. Et donc on a une liste d'exceptions fermée avec des conditions. Si vous ne rentrez pas dans les exceptions, vous ne pouvez pas bénéficier gratuitement d'une œuvre. D'accord ? La copie privée, l'utilisation dans le cercle de famille, la fouille de textes et de données. Donc il y a un certain nombre d'exceptions listées. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Il y a une exception générale, une grande clause d'ouverture qui s'appelle « fair use », l'usage loyal. Et donc, le procès qui est en cours, c'est de savoir si cette opération amont de fouille de texte de données, c'est « fair use » ou c'est pas « fair use ». Et vous avez une idée de l'issue ? Ah non, absolument pas. Est-ce qu'on pas. Regarde en Europe c'est... Bien sûr, on regarde et on suit, et notamment pour le ministère de la Culture, on suit très près ce qui va se passer, mais c'est du droit américain, ça ne ressemble en rien au droit européen, c'est-à-dire qu'on a fait le choix express de ne pas aller vers ce fair use, parce qu'on s'est dit, oula, fair use, ça peut tout être. Hein. Et puis c'est le juge qui dit si c'est fair use ou pas. Donc ça correspondait pas du tout à l'esprit du droit européen et encore moins du droit français. Donc en France, on s'est beaucoup opposé à l'importation, à cette acculturation type fair use. Aux États-Unis, quand je discute avec les collègues américains, il y en a qui pensent que c'est fair use, il y en a qui pensent que c'est pas fair use. Donc on verra. Et on verra si on a l'opportunité de le voir d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis, très souvent, on transige. Les procès vont pas jusqu'au bout. On préfère payer une somme sur laquelle on s'est accordé pour pouvoir, pour éviter d'aller jusqu'au bout d'un procès. Donc. Ça, on le verra, c'est un sujet qui est en cours, mais la solution qui sera rendue aux États-Unis n'aura pas nécessairement une influence sur l'interprétation du droit européen ou national. Et est-ce que le droit d'auteur est inscrit dans la directive européenne qu'on est en train de discuter actuellement, ou c'est, il me semble avoir lu que c'était, ça serait une autre discussion? Alors, plusieurs choses. D'abord, les exceptions de fouilles de textes et de données, c'est une directive de 2019, directive droit d'auteur et droit voisin dans le marché unique numérique. C'est dans cette directive que donc le législateur européen a consacré les exceptions de fouilles de textes et de données et qu'on a transposé en droit français. Donc, en fait, c'est plié, ce que vous Non, dites. C'est pas plié. C'est jamais plié. On est là pour que ce soit jamais plié. Donc, ça, c'est 2019.
Ensuite, en ce moment, on est en train de discuter un autre texte qui est l'Artificial Intelligence Act, qui est une proposition de règlement à l'échelle européenne. Donc, ce n'est pas le même instrument, hein. D'un côté une directive, de l'autre côté un règlement. Les règlements, c'est directement applicable en droit national. Les directives, il y a besoin de les transposer pour que ce soit applicable en droit national. Donc là, on est en train de discuter le règlement Artificial Intelligence Act, qui n'est pas du tout un texte sur la propriété intellectuelle, qui est un texte transversal sur l'intelligence artificielle et qui met en place une approche par les risques, en quelque sorte. C'est-à-dire, plus le risque généré par l'intelligence artificielle sera important et plus les obligations en amont de la mise sur le marché seront importantes. Donc, si vous êtes dans une IA à faible risque, on applique le droit commun, la sécurité des produits, et le législateur européen dit qu'on peut aussi faire des codes volontaires de conduite, des choses comme ça. Si vous êtes dans un système à haut risque, là, il y aura toute une procédure de mise en conformité de l'outil d'IA avant qu'elle soit mise sur le marché. Mais là, on parle surtout de surveillance des citoyens, j'ai l'impression. Pas alors du tout. Que, est-ce que les photographes, les artistes sont compris dans cette... Non, on ne parle pas du tout de surveillance du citoyen. On parle de systèmes d'IA qui vont être mis sur le marché, comme il y en a partout. Il y en a dans votre portable, il y en a à peu près partout. Quand vous faites une recherche sur Internet, il y a des systèmes d'IA, il y a des systèmes d'IA partout. Donc ces systèmes d'IA, on va les encadrer avant leur mise sur le marché, et ça, on va le faire en fonction du risque qui est généré. Par exemple, un exemple de haut risque, la justice, la santé, les services essentiels, ça, ce sera haut risque. Ça voudra dire quoi ? Ça voudra dire que pour pouvoir être mis sur le marché, le système devra avoir une conformité, un label comme CE. Donc ça va être plus surveillé. Mais en revanche, les systèmes qui sont considérés comme non risqués, ils vont répondre à des obligations moindres. Et puis, il va y avoir des usages qui vont être complètement interdits. Par exemple, le crédit social, la notation sociale en France, en Europe, on n'en veut pas. On n'a pas envie qu'on nous note parce qu'on traverse à côté des clous ou parce qu'on critique ou parce qu'on fait une image avec le président de la République. Voilà. Non, mais parce que c'est ça, la notation sociale. Hein. Donc ça, on ne veut pas. Donc on est tous clairs là-dessus. On voudrait l'exclure comme le risque inacceptable, donc un système d'IA complètement interdit. Mais pour nos photographes et nos artistes, est-ce qu'il y a des groupes qui se constituent au niveau européen, la DAGP se mobilise, est-ce qu'il y a une idée, vous voyez émerger une idée européenne de ces questions de droit d'auteur ? Alors ça, c'est notre travail au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, hein, dans lequel je suis. En fait, l'idée, ça, là, on est au début, hein, on est au tout début, mais sans doute que l'idée, ça va être d'appuyer les titulaires de droit dans leur positionnement, donc qu'ils puissent adopter une vision pour leur secteur, et qu'ensuite on essaye de rapprocher peut-être aussi les visions, parce que d'un secteur à l'autre, pour le moment, tout le monde n'a pas la même position. Évidemment, si vous posez la question, c'est pour ça que j'avais la réponse sur le Festival de Cannes. On n'a pas le droit de se faire des selfies sur le tapis rouge, donc ce n'était pas possible. Mais par exemple, dans le secteur de l'audiovisuel, ils ont une approche qui est complètement différente du secteur de la photo parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques. Ils ne gèrent pas la masse, ils ne gèrent pas... Donc c'est complètement différent. Puis il y a la chronologie des médias, enfin, voilà, il y a beaucoup d'autres instruments qui font que l'analyse est complètement différente. Mais l'idée c'est quoi ? Alors, je suis pas dans le secret des dieux, hein. Mais l'idée, c'est la France est toujours porteuse de propositions en matière de culture au niveau européen. Je veux dire, il y a beaucoup des dispositions qui sont aujourd'hui qui ont été adoptées au niveau européen. Alors pas ces exceptions-là, ça c'est sûr, mais par exemple le fait que le droit d'auteur soit opposable désormais sur les plateformes contributives du type YouTube. Bon, bah ça vient de France. Hein. C'est un petit rapport qu'on avait fait au CSPLA il y a 7-8 ans, qui a été traduit, qui a été porté politiquement par le ministère et puis par les différents politiques. Et on a réussi à faire passer cette disposition qui fait que maintenant, il y a des droits d'auteur qui sont payés. Là, on ne désespère pas, en fait, de rouvrir une discussion. Comment, par quel biais, est-ce que ce sera uniquement en interne, parce que là, on va considérer que la directive de 2019 nous laisse les marges de manœuvre pour pouvoir réfléchir encore en interne. Ou alors, moi, je discutais avec une députée européenne il y a quelques semaines, Laurence Farenne, qui
s'occupe beaucoup des questions culture au Parlement européen, et elle était d'avis que peut-être il serait nécessaire, voilà, de réfléchir à une nouvelle voie, à une façon de corriger ce sentiment-là de pillage en amont. Mais encore une fois, hein, c'est une solution qui est à construire, et c'est une solution qui peut, pour le moment, qui est variable, hein, d'un secteur à l'autre. Certains voudraient une rémunération, un peu comme la copie privée. Vous savez, pour la copie privée, il y a une rémunération qui ensuite est redistribuée, qui est collectée de manière collective et qui est ensuite redistribuée. Donc il y a une espèce de compensation du préjudice. Est-ce que la fouille de texte et de données sera la copie privée de demain? C'est une question. Pour certains titulaires de droit, oui. Et puis il y a d'autres titulaires de droit qui ne sont pas du tout dans cet objectif parce qu'ils sont très attachés à l'exclusivité. Ils ne veulent surtout pas d'exception, ou en tout cas de rémunération automatique qui empêcherait l'exercice de l'exclusivité, justement. Merci, Alexandra, pour toutes ces précisions. Alors maintenant, que peuvent les artistes, ou quel rôle des artistes et des photographes dans ce grand changement qui nous arrive d'une façon assez fracassante? On peut désormais modifier, créer des images avec de plus en plus de rapidité et de souplesse, comme tu l'expliquais, David. Est-ce que c'est la fin de la photographie telle qu'on la connaît, Yann? Bah, moi, je pense que c'est un outil qui est incroyable, et s'opposer frontalement à cet outil ne mènera à rien de toute manière, puisque il est là maintenant. Donc, l'humain n'est jamais allé à rebours de la technologie. Je pense que voilà, quand l'imprimerie a été inventée, les moines copistes se sont pas battus. Voilà, ça a vite disparu face à ça. Donc là, je pense qu'il faut, essayer, je ne vais pas dire d'embrasser la chose sans discernement, mais il faut l'utiliser avec raisonnement et intelligence, quoi, avant tout, et puis surtout sensibiliser énormément. Et c'est vrai que imposer un certain principe de distinction entre ce qui est IA, pas IA, au même titre qu'on commence à le faire, enfin, suite aussi à une loi sur les photos retouchées, je pense que ça va être important de discerner tout ça, et surtout pour la rémunération, parce que la rémunération des photographes, maintenant qu'il y a cette génération, elle s'est totalement déplacée ailleurs. On pense notamment aux banques d'images, hein, qui ont très peur en ce moment, hein, d'ailleurs. Certains ont accepté que des images générées en IA soient publiées sur leur base, d'autres au contraire ont refusé, ils ne savent pas quoi faire, ils sont dans la déroute. En fait on a un outil aujourd'hui qui nous permet quand même, l'outil le plus rapide en fait pour aller de l'idée jusqu'à la réalisation. Ça n'a jamais existé, on a une idée, on la réalise immédiatement. Donc il faut pouvoir en tirer parti, je pense, et tout en étant très conscient des dangers que ça suscite, et surtout continuer à valoriser, comme on l'a vu, suite aussi au niveau écologique, à ce que ça suscite. Hein, ces IA, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est tellement magique qu'on ne fait pas attention, mais ce qui se cache derrière le rideau, c'est monstrueux. Donc je pense qu'il faut être très conscient de tout ça et agir avec beaucoup de retenue. Alors, et d'humilité. Clémentine, ouais. Peut-être, oui. Que je peux ajouter, juridiquement, ça on s'y intéresse beaucoup, en fait c'est la question de la transparence. C'est très important, ça passera par là, et l'Artificial Intelligence Act là, qu'on est en train de discuter, justement impose une transparence en amont. Alors une transparence relative en amont, c'est-à-dire un résumé des données utilisées pour nourrir. Alors en matière de culture, ce n'est pas un résumé dont on a besoin, c'est la liste exhaustive, hein, ce n'est pas un résumé, parce qu'un résumé, ça n'a aucun sens. Et puis en aval, lorsque le résultat est produit, est une production générée par l'IA, il faut aussi qu'on le sache. Voilà, il faut qu'on connaisse l'amont, il faut qu'on connaisse l'aval pour pouvoir être clair. Et c'est pour ça que ces plateformes, elles hésitent, parce que pour le moment, il n'y a pas encore un encadrement très net. Très strict, oui. Ouais. Justine, pour vous, c'est important aussi les questions d'écologie. Je crois que dans vos œuvres, vous faites... Expliquez-nous. Oui, je pense que ce qui est important aujourd'hui pour les artistes et les photographes, c'est de continuer l'expérimentation, continuer d'en parler, mais tout en étant aussi, tout en gardant son œil critique. Et je pense qu'il faut être conscient de ce que l'intelligence artificielle implique à un niveau de responsabilité. Alors, dans la responsabilité, il y a le volet écologique.
Quand on entraîne un réseau de neurones, si on ne fait pas attention, on se retrouve sur des serveurs qui réchauffent la planète, qui font fondre la banquise, qui sont en Chine, on ne sait pas où. Et moi, je me suis vraiment posé cette question parce qu'en entraînant mes images, on ne peut pas faire un projet autour de la conservation d'une grotte préhistorique. On a par exemple l'exemple de la grotte Kosker avec l'eau qui est en train de monter, toutes ces peintures qui vont bientôt disparaître, et en même temps polluer la planète. Donc je me suis renseignée sur la politique énergétique des serveurs. J'ai trouvé une compagnie de serveurs qui avait une politique intéressante, qui redistribue la chaleur dans des bâtiments, qui a aussi tout un système en place autour de ça, afin de limiter. Et puis combien de temps on entraîne ces images? Parce qu'il y a la question du temps, de l'argent, ça coûte super cher. Donc tout ça, il faut l'encadrer. Et puis aussi, il y a la dimension humaine, puisque dès qu'on s'intéresse au numérique, on parle d'exploitation humaine qui va de la première coup de pioche pour aller extraire des minerais rares jusqu'à l'entraînement de ChatGPT, qui a eu recours à des sous-traitants de travailleurs kényans qui étaient rémunérés moins de 2 dollars de l'heure. Donc c'est vrai qu'il y a les CAPTCHA où nous-mêmes, on devient ces entraîneurs d'intelligence artificielle, mais il y a aussi une exploitation humaine à ce niveau-là. Et je pense que c'est des choses qui sont très invisibles. Pour l'instant, on est dans le boom de ces générateurs en ligne qui sont beaucoup démocratisés pour le grand public, mais on a du mal à percevoir tout ce qui se passe derrière. Et je pense que dans une époque autour de la transition écologique et de la transition numérique, on ne peut plus ignorer ces questions. Et je pense que c'est aussi intéressant de les rendre tangibles et visibles. David ? Oui. Alors, vous, votre position d'artiste et de... Alors là, ça sera peut-être pour revenir aussi un peu en arrière sur la question de comment s'adapter aux outils. Je pense qu'il y a un peu deux choses assez différentes. C'est que d'un côté, on est toujours dans d'un côté, on est toujours dans une répétition de ce qui s'est déjà passé, c'est-à-dire que la photographie n'a pas tué la peinture. Et donc, quand je faisais la recherche sur ce projet-là, j'ai trouvé plein de textes et de citations de personnes justement qui s'inquiétaient de ce nouveau rapport au monde, de l'invention de la photographie. Et pourtant, les peintres, et même les peintres figuratifs, n'ont pas disparu. Donc, il y a ce côté-là. Donc, en tant qu'artiste créatif, l'IA ne remplace pas encore la pure créativité. Ça peut être, un bon outil. Ça reste un outil. Par contre, il y a quand même l'autre côté, c'est-à-dire il y a beaucoup de photographes, d'artistes qui ont des travaux créatifs dans le cinéma, dans l'animation, dans l'illustration, des journaux, etc. Là, on se retrouve encore une fois dans une autre optique qu'on a déjà vue, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu étrange avec ces intelligences artificielles, c'est qu'on pensait que les IA, jusqu'encore récemment, ce que ça allait remplacer, c'était tout ce qui était dans la robotique. On allait remplacer les caissiers, on allait remplacer tout le rapport humain direct ou des tâches mécaniques, etc. Et au final, maintenant, on se retrouve avec des IA où on se dit, ça pourrait remplacer donc des créatifs ou par exemple des informaticiens, parce qu'on pense qu'ils peuvent aussi être beaucoup aidés pour le code, etc. Ça ne remplace pas entièrement ce travail-là, mais ça réduit beaucoup le nombre de personnes dont on a besoin. Et donc ça, c'est une autre problématique qui est quand même beaucoup plus, on va dire, directe. Qu'il ne faut pas non plus oublier, même si du point de vue purement créatif, je serais inquiet par les IA, mais plus d'un point de vue clairement direct de travail. Donc maintenant, il est l'heure de passer aux questions. Alors Alexandra est assez pressée, donc toutes les questions qui concernent le volet juridique des IA. Le spectacle de danse de ma fille. Donc, et sans robot, sans intelligence artificielle, sans les questions qui concernent le... Oula. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Oui, alors je crois qu'on a un problème de temps. Combien de temps ça prend pour faire une loi européenne qui fonctionne? Pardon, excusez-moi. Combien de temps ça prend pour faire une loi qui est appliquée? C'est un mois, c'est une année, c'est combien de temps? Maintenant, vous êtes en train de discuter la loi que vous voulez faire. Oui. Combien de temps ça prend? Ça peut prendre des années parfois. Le minimum. Je ne peux pas répondre à cette question. Vous savez, il y a des lois qui passent très très vite parce qu'il y a une procédure d'urgence, une procédure accélérée qui est déclarée. Je voulais juste dire que l'intelligence artificielle est beaucoup plus vite. Vous savez quoi? La technique a toujours été plus rapide que le droit. Et heureusement que le droit, c'est un temps long.
Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que le droit s'est jeté sur une technique, quelques mois après ou quelques années après, la loi était obsolète et on continuait à l'appliquer, ou alors elle tombait en désuétude parce qu'elle était obsolète. C'est important que le droit prenne le recul des pratiques avant de légiférer. Vous savez, le droit, c'est vraiment une réponse à un besoin social. Le besoin social, il commence seulement à s'exprimer. Et nous, en France, et notamment au ministère de la Culture, ça fait déjà 3 ans qu'on réfléchit au sujet. Il n'y a pas encore un seul procès en France. Ok. Je prends l'autre exemple. Les médias, les journaux. L'artifice, le chat à ChatGPT, il peut aller lire tous les journaux du monde entier. Il a même la façon d'aller derrière les paywalls. Il va prendre ça tout gratuit. Je peux demander ce que le Monde a écrit sur un sujet et j'aurai tout le contenu que le Monde a écrit sur un sujet. Et jusqu'à là, que la loi est faite, le Monde n'existe peut-être plus. Les médias sont... Malheureusement, on pourrait faire toutes les lois du monde, monsieur, que ça n'empêcherait pas les comportements déviants. Qui est plus vite aujourd'hui ? C'est la Chine, parce que c'est une dictature. Et le dictateur chinois, il peut dire, on va faire une loi qui protège l'environnement et c'est appliqué demain. Et nous, les démocraties, ça va être une menace pour la démocratie. Est-ce que vous nous conseillez de nous transformer en dictature pour aller plus vite sur les textes ? Non, ce que je veux vous dire, c'est l'histoire du monde. Le droit n'a jamais réagi à la moindre invention. Et quand il l'a fait, il s'est toujours trompé. Toujours. Donc, il est important de réfléchir avant d'agir. Il est important que le droit reste une réponse à un besoin social. Pour le moment, le besoin social, il est naissant. Et il s'est tellement peu exprimé que vous avez... aucune décision de justice encore sur le sujet. Alors oui, on en parle beaucoup dans les médias. Oui, à peu près tous les 2 jours, je suis mobilisée, soit par le ministère, soit par des titulaires de droit pour faire une table ronde, faire une conférence sur le sujet. Oui, on en parle beaucoup. Mais le besoin social, il commence seulement à s'exprimer. La dérive juridique, on ne l'a pas encore complètement. Ça commence à venir et donc on s'y intéresse et on n'est pas en retard. On n'est pas en retard. Mais vous savez, de tout temps, de l'extérieur, ceux qui regardent le droit se faire, c'est une critique qu'on me fait tout le temps. C'est, vous êtes toujours en retard, vous les juristes. Et moi, je réponds systématiquement, heureusement pour vous qu'on est en retard, parce qu'au moins, on répond à une vraie demande. On ne se précipite pas comme on le fait tous aujourd'hui, et cette table ronde en est la preuve, on se précipite, on s'inquiète, voilà. Non, le droit, c'est le temps long, le droit, c'est... on réfléchit, c'est quoi les effets de bord, c'est quoi les conséquences sur notre industrie, sur notre économie, sur le paysage culturel. Enfin, il faut impérativement avoir cette... Et je vous assure qu'on surveille tout ce qui se passe à Bruxelles. Sur l'Artificial Intelligence Act, dès que le mot culture ou le mot droit d'auteur ou droit voisin apparaît, le ministère est en alerte. Donc un ministère en alerte. Et maintenant, une autre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Marlène Fèvre de la DAGP. Donc je continue un tout petit peu sur le droit. Déjà, pour vous remercier pour cet échange vraiment passionnant et qui, effectivement, va dans la ligne directrice de la DAGP, puisqu'on a porté une note publié maintenant il y a quelques semaines au ministère, et je remercie d'ailleurs le ministère pour son soutien sur ces sujets. On constate aujourd'hui donc un cadre législatif qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de s'habituer de s'adapter à ces nouvelles utilisations. On a parlé du consentement des auteurs, qui pour nous est un point vraiment important, le consentement express à l'utilisation de leurs œuvres, la transparence également pour le public, mais aussi pour les artistes. Quelle image on voit aujourd'hui, comment on sait que c'est de l'IA, pas de l'IA, que c'est un être humain fait de chair et d'os derrière, et comment on choisit d'ailleurs une politique éditoriale en fonction aussi de ces sujets. Et puis bien sûr les questions de rémunération qui sont intrinsèques à tous ces enjeux. La DAGP en présente des photographes qui sont les premiers concernés évidemment par cette concurrence directe, mais aussi des dessinateurs et des illustrateurs, donc on attend avec impatience de pouvoir avancer sur ces questions, et on espère vraiment que le gouvernement pourra porter ces sujets ici, mais aussi à Bruxelles, avec tous les éléments que vous avez pu nous éclairer, donc pour lesquels vous avez pu nous éclairer. Donc merci pour ces échanges. Donc le ministère et les organismes de défense des droits d'auteur sont mobilisés.
La DRJP est toujours un fidèle contributeur aux missions du CSPLA pour faire avancer le droit et porter des propositions au niveau européen comme au niveau national. La DRJP, comme toutes les sociétés de gestion collective qui vraiment sont en France dans la protection des auteurs et des artistes. Oui, bonsoir. Mathieu Baudeau, président de l'Union des photographes professionnels. Merci beaucoup pour la présentation qui a été faite de l'intelligence artificielle. Oui. Oui, désolé. Et oui, désolé oui. Pour le festival d'Arles. Désolé. Ce sera pour une prochaine fois. Avec plaisir. Et, alors, je veux remercier ma consoeur et mes confrères pour la présentation qu'ils ont faite de l'IA. D'autant plus que je crois qu'il faut aller avec la technique et on ne peut pas s'y opposer catégoriquement comme quelques-uns peuvent le dire. Donc, pour nous, il est important d'aller dans le bon sens. Mais le bon sens, il faut qu'il y ait du droit. Tout à l'heure, ma consoeur présentait son travail, mais sauf erreur de ma part, c'est un travail qui a été fait avec une intelligence artificielle, avec ses propres œuvres. On est d'accord? Ma consoeur, vous parlez de Justine? Oui. Des contenus non protégés. Soit des contenus dont j'avais l'autorisation, soit mes propres contenus. Donc, c'est là où je veux en arriver, c'est que, en revanche, l'utilisation qui est faite par l'IA de l'ensemble des photos qui sont aspirées sur Internet, c'est ce que vous soulignez tout à l'heure, il n'y a pas les droits qui ont été expressément donnés pour pouvoir être utilisés dans cette IA. Il n'y a pas besoin d'autorisation, c'est ça que je vous disais. C'est là où j'ai, moi, un petit problème. Et moi aussi, c'est que, évidemment, cette fameuse directive, c'est la DAMUN, quelque chose comme ça, je crois, de mémoire. Exactement, de son petit nom. Voilà, la DAMUN. Donc, peut-être y aurait-il lieu que les pouvoirs publics français demandent au niveau européen que les règles changent en l'espèce pour pouvoir protéger les auteurs que nous sommes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est celui relatif à... on va dire le statut juridique de celui qui utilise l'IA et du résultat qui en sort. Alors, avec ma consoeur, je n'ai aucun problème. Pour moi, elle est auteure de la chose. Et derrière, il y a une œuvre originale. Donc, pour moi, ça ne pose pas de problème. Même si ça reste toujours en discussion, même au sein de l'UPP, comme avec d'autres organisations professionnelles, et particulièrement au sein du Conseil permanent des écrivains, lorsque j'en discute avec tous mes collègues, les écrivains, les traducteurs, etc. En revanche, c'est l'utilisation qui est faite de l'IA avec des photos pour lesquelles on n'a pas de droit et avec une image qui en sort quelque part sans qu'il y ait une création comme ça nous a été présenté tout à l'heure. Donc là, j'aimerais voir quelle est votre position par rapport à ça. Et le dernier élément, c'est bien évidemment, et je vais être un tout petit peu plus rapide, le dernier élément, bien évidemment, c'est lié à la déontologie, et j'allais dire une position philosophique par rapport à l'image qui en sort. Je ne veux pas parler de photographie, hein, c'est un peu comme le Canada Dry. Donc l'image qui en sort avec des dispositions législatives qui diraient, en gros, générées par intelligence artificielle pour qu'il n'y ait pas trop pris sur la marchandise. Merci. Alors, merci, et avec plaisir, je viendrai à Arles pour les photographes une prochaine fois. Et désolée, j'avais déjà des engagements. Alors, plusieurs questions. D'abord, sur le fait qu'il y a eu cette directive en 2019, il faut vraiment que vous sachiez que... votre ministère a été, mais le ministère de la Culture a été, mais engagé sur cette directive. Enfin, la bataille sur l'opposabilité du droit d'auteur et des droits voisins sur les plateformes contributives. Je peux vous dire que pour être allé défendre le morceau dans les capitales européennes ou à Bruxelles, il y avait des camions publicitaires « Save your Internet ». Moi, j'étais vraiment en anonyme. Je me suis dit, si jamais on me reconnaît, je risque une agression. Vous avez vraiment un ministère qui est très, très engagé. Très, très engagé. Et pour avoir échangé avec la ministre de la Culture, elle est très au fait de ces questions et très sensibilisée. Aux problématiques de l'amont que vous avez décrites, donc sur les inputs, sur le fait que toutes ces images étaient aspirées sans autorisation. Donc après, il faut qu'on fédère, au niveau européen, il faut aussi qu'on fédère au niveau des titulaires de droit. Ça, c'est en général le travail qu'on donne au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, là, dont je fais partie. Donc
voilà, j'avais fait une première mission sur l'intelligence artificielle et la culture. L'idée, ce sera sans doute, peut-être, à l'avenir, de poursuivre pour rapprocher les titulaires de droits et ensuite pour porter, peut-être, le positionnement de la France au niveau européen. Ensuite, vous m'avez posé la question de la qualification de l'aval, c'est-à-dire la production générée par une IA, c'est quoi ? Évidemment, lorsque Justine présente son travail, on n'a pas tellement de doutes sur le fait qu'elle est vraiment auteur et que c'est une création, et c'est une création de forme originale, et ça répond aux conditions classiques du droit d'auteur, et que donc, en réalité, elle a utilisé l'intelligence artificielle uniquement comme un outil. À partir du moment où c'est un outil, le raisonnement ne doit pas changer, parce que quelle que soit la technicité de l'outil, ça reste un outil entre les mains d'un artiste, d'un auteur, personne physique. Donc elle est auteur et la création générée est une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur. Et dans le cas de David alors ? La difficulté, je ne sais pas comment David crée, parce que David ne m'a pas donné des précisions, et puis je ne suis pas moi-même magistrate, mais je présume avoir le travail de Justine, parce qu'elle a donné beaucoup de détails. Mais ce qui est certain, c'est que, évidemment, quand on tape un prompt sur Midjourney et que, hop, il y a une sortie d'image, celui qui a tapé un micro-prompt, je ne suis pas sûre qu'il puisse recevoir la qualification d'auteur. Et s'il ne peut pas recevoir la qualification d'auteur, ce qui est généré, ça ne peut pas être une œuvre. C'est un peu on a un raisonnement circulaire en droit d'auteur, donc... S'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas d'œuvre. S'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de droit d'auteur, donc il n'y a pas de protection, donc il n'y a pas d'auteur. Enfin, bref. Alors, là-dessus, il y a plusieurs positions. À nouveau, ce sont des positions, et il appartiendra dans les années à venir aux politiques de trancher. Certaines personnes soutiennent un droit d'auteur un peu élargi, un peu distendu, pour pouvoir accueillir ces réalisations qui parfois ressemblent à s'y méprendre à des œuvres de l'esprit. D'autres soutiennent la création d'un droit spécial. Par exemple, vous avez parlé, je crois, de l'UWC ? Non ? Oui, c'est ça. Oui, je parlais de la même chose, mais au niveau européen. Voilà, le Conseil. Donc, le Conseil permanent des écrivains, on m'a fait passer leurs propositions. Hein, et donc, ils suggèrent la création d'un droit sui generis, comme on dit en droit... En droit de la propriété littéraire et artistique, c'est un droit un peu spécial qui serait fondé sur l'investissement pour qu'en sortie, il n'y ait pas une rupture de la chaîne de valeur. Parce que si on veut aussi qu'en entrée, il y ait un paiement, il faut qu'il y ait une vraie chaîne de valeur. S'il n'y a plus de chaîne de valeur, il n'y a rien à payer en amont, il n'y a rien à payer en aval. Sauf qu'en aval, on sait très bien qu'il y aura une réservation par le contrat. Donc, voilà. Et puis d'autres, enfin, soutiennent la non-protection. Voilà, domaine public. Ils disent tout ce qui est généré par une IA, quand il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de protection, domaine public. Donc il y a ces trois positions aujourd'hui. Le politique a ces trois options. Il va falloir trancher. Il va falloir aussi que les titulaires de droit aient une position un peu ferme pour qu'elle soit portée au niveau européen. David, est-ce que tu veux... Je peux toujours dire toutes les choses à dire, mais... Oui, parce que justement, toi, ton travail, c'est justement d'aller chercher, de générer plein d'images, et tu en fais un livre à la fin, donc c'est aussi une production artistique moi. Comme David, il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que, un, c'est que ça m'intéresse, parce qu'au final, c'est une tension qui n'est toujours pas résolue, alors que, comme je disais, Duchamp, quand il prend un urinoir et qu'il le met dans un lieu d'expo, au final, il n'a pas créé l'objet... Donc c'est la première fois qu'on se pose ce genre de questions et on continue à se poser encore une fois ce genre de questions avec Richard Prince et avec tout, l'appropriation, la musique hip-hop, le sampling, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais toujours est-il, et c'est là peut-être où je rejoins, il y a des choses, il y a quand même des vraies questions, si on tape juste des mots et qu'on a une image, est-ce que ça fait de nous l'auteur de l'image ? Mais moi, j'en suis pas à 100% convaincu. Puisque malgré tout, pour en fait créer, en tout cas du point de vue on va dire artistique, il faut quand même avoir une intention. C'est pour ça que, par exemple, là, sur quoi je suis en train de travailler, c'est des livres avec toute une réflexion, avec... C'est pas, par exemple, du point de vue d'une image, j'aurais pu prendre une image, j'aurais pu en prendre 10 000 autres, puisque le générateur peut faire 10 000 variations. Au final, là où moi j'interviens, c'est que je fais des choix, je raconte une histoire, j'ai des choses à dire, et c'est au final ça qui est mon intention artistique. C'est pas tellement l'image unique. Mais par contre, la chose par contre qui m'embête beaucoup, c'est quand je vois, par exemple, sur les sites de presse, sur une image par intelligence artificielle, quand elle est créditée,
à l'intelligence artificielle. Et ça, ça par contre, c'est l'inverse qui m'embête beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne voit pas en fait, qu'il y a quand même un humain avec des intentions qui l'a généré, qui a mis des mots, qui avait peut-être des biais lui-même et qui a créé une image. Je ne sais pas si le mot, évidemment, auteur, d'un point de vue du droit, va s'appliquer, mais il y a quand même un humain derrière qui va faire une action. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Quoi. C'est pour ça que vous avez insisté pour que l'image de Macron soit créditée, David Fathi. Oui, parce que il faut le contextualiser. Quand les images, justement, elles se retrouvent perdues sur Internet et on ne sait pas d'où elles proviennent, là, je trouve qu'il y a plus de tensions et de problèmes qui vont émerger. Oui. Et puis là, moi, je pense que pour l'instant, on discute vraiment d'une séparation nette entre images réelles capturées et images générées. Mais en fait, je pense que parmi les photographes qui sont dans cette assemblée, vous avez sans doute vu la news concernant l'IA dans Photoshop. Photoshop est un logiciel que vous utilisez, je pense, régulièrement. En fait, on va très rapidement se retrouver face à du contenu totalement hybride où on aura une petite partie générée en IA. Et moi, mon utilisation professionnelle de l'IA, actuellement, ce n'est que ça. C'est-à-dire que je génère des arrière-plans en IA. Je génère des éléments en IA. Si un client n'a pas de budget, je peux générer un fonds et lui mettre son produit dedans. Ce que je faisais déjà en retouche avec Shutterstock ou des bases de données comme ça. Ce n'est qu'un nouvel outil, mais ce sont des images totalement hybrides. Et du coup, essayer de réguler une image hybride qui contient un peu de photographie, un peu d'IA, un peu de 3D, un peu de retouche, ça devient extrêmement complexe. Là, par exemple, je vous montrerai rapidement un projet que j'ai mené avec mes étudiants à Gobelins. L'idée était que les élèves justement s'approprient l'outil IA et mènent une vraie réflexion en essayant de rester, eux, au centre de la création. Alors, j'ai eu des résultats très mitigés, contrastés dans le sens où certains élèves avaient une vision claire de ce qu'ils souhaitaient. Là, par exemple, Sophia, qui est ukrainienne et qui a réalisé ces images. Donc, qu'est-ce qui est photographique, qu'est-ce qui est IA là-dedans? Bon, je pense que vous allez sans doute avoir des facilités à voir certains éléments et beaucoup plus de difficultés à en repérer d'autres. Et en fait, elle a réécrit comme ça. Donc ça, c'est une image du front que son père lui a envoyé, puisqu'il est sur le front. Et elle a décidé de transformer l'Ukraine en Disneyland. Voilà, essayer de réenchanter un petit peu tout ça grâce à l'IA. Alors, juste pour revenir sur les créations de mes élèves, c'est que certains avaient une vision claire et nette et ont essayé vraiment de s'y tenir et de contraindre l'IA. Donc, avaient vraiment une démarche d'auteur. Et d'autres se sont laissés un petit peu mener par le bout du nez. C'est-à-dire qu'ils ont généré. Et comme le disait très justement David, c'est le choix en fait qui est important. C'est que tu vas générer 10 000 images, mais tu vas en choisir une. Et c'est ça, finalement, ton exercice de ta fonction d'auteur. Là, les élèves généraient, et en fait, ça leur ouvrait un nouvel océan d'idées, et ils plongeaient. Et en fait, comme ça, ils dérivaient petit à petit de leur idée initiale sans jamais se fixer sur une. Et au bout de 3 semaines de travail acharné, on n'avait rien. Parce que le choix était perpétuel, en fait. Donc, excusez-moi, voilà. Nous allons devoir vous permettre de vous couper, mais le temps passe vite. Et je ne sais pas, il y a une dernière question et après on va clôturer cette table parce que je sais qu'elle est passionnante et qu'elle appelle beaucoup de sujets. Il y a des choses dont on n'a pas parlé non plus sur la disparition de certains métiers qui nous inquiètent aussi. Et David, tu as évoqué quoi ça nous amenait. Donc, dans les métiers de la publicité, de la communication, enfin, on a des grosses alertes rouges aussi sur les métiers. Et je pense que Yann, vous en êtes aussi très conscient. On n'a pas beaucoup parlé de ça. C'est quelque chose qui nous préoccupe également. Monsieur, une dernière question et puis on va clôturer cette édition. C'était justement en rapport avec ça. Donc, je suis photographe de publicité et de beauté depuis 17 ans. Et là, dans le métier, aujourd'hui, on commence à être inquiété parce que depuis 3 mois, la plupart de mes collègues n'ont plus aucun travail parce que je connais des agents, enfin, je connais des gens en agence de publicité, des directeurs artistiques. Tous les clients sont actuellement en train d'explorer l'option IA. Et une image générée par l'intelligence artificielle, chez nous, c'est 15 postes qui sautent. Et ça, c'est un peu un problème parce qu'en plus, ces IA, elles coûtent, à l'heure actuelle, pour l'instant, le temps qu'elles soient parfaitement entraînées, elles coûtent rien du tout pour un client. Pour Midjourney, c'est $50 tant que vous ne faites pas plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sur l'image. Il y a des sociétés qui proposent des mannequins virtuels avec de la génération de vêtements aussi pour les marques pour $700 par mois, des rendus illimités. Donc nous, on ne peut pas s'adapter dans la publicité et dans la beauté, c'est impossible de s'adapter. Les clients, enfin les coûts des IA, c'est même pas le poste d'un des 15 créatifs qui bossent sur une image derrière. Donc
à ce niveau-là, vous avez beaucoup parlé de l'IA et de la photographie, de l'art de la photographie, j'entends, comme les intervenants en vivent. Nous, derrière, on est les postes les premiers à sauter. On va être minimum 50 000 en France dans les deux prochaines années à sauter, si personne ne fait rien rapidement au niveau du gouvernement. Parce que j'entendais Alexandra Ben Samoun dire que ça prenait du temps, que c'était long. Je comprends tout à fait, mais nous, on est bientôt morts. C'est la même chose dans les illustrateurs. Beaucoup de magazines français ont commencé à squeezer les illustrateurs, à les dégager pour de l'IA parce que ça coûte moins cher. Parce que d'un coup, les artistes sont devenus un problème trop cher à gérer. Maintenant qu'on peut avoir 1 000 euros de plus à la fin du mois, bah c'est facile de le faire. Je discutais avec un directeur artistique en agence suisse. Et il me disait que maintenant, toutes les voix off, ils les font faire sur IA. Les acteurs de voix off, ils sont morts. Enfin, j'entends, je vois, en fait, moi je suis quelqu'un de nature très pessimiste, donc j'ai tendance à calculer très longtemps à l'avance ce qui va se passer. Quand j'ai vu une Midjourney arriver l'année dernière, c'était déjà, je voyais déjà tout ce qui allait se passer, mais tout le monde l'a embrassé avec enthousiasme, mais tandis que nous, nos postes, on les voit doucement diminuer. Donc le problème, c'est que toutes ces IA, c'est des IA non éthiques. Elles sont là pour remplacer les humains, elles sont pas là pour aider les humains. Et le problème, c'est que ça va uniquement profiter à des boîtes capitalistes, donc purement américaines, parce que par exemple encore la société de publicité WPP, qui est la plus grande agence de publicité du monde, qui fait 13 milliards de bénéfices par an, et ils ont fait un contrat avec Nvidia pour remplacer la plupart de leur pool de créatifs, alors qu'ils font 13 milliards de bénéfices par an. Donc là, on est sur des IA purement capitalistes qui n'ont d'autre vocation que de remplacer les gens qui sont en train de les entraîner. Et pour moi, une IA qui livre un produit fini instantanément, ça doit dégager, en fait. Parce que sinon, nous, dans l'art, l'art aussi va finir par être complètement squeezé. Si on laisse rentrer de l'IA pure, pas comme ils en font eux avec de la transformation, mais de l'IA pure dans les musées, ce qui risque d'arriver, eh ben, on va condamner l'art en général, parce qu'on va redéfinir le standard et tout le reste aura un goût de merde, en fait. C'est un peu le souci que je vois avec ça. Voilà. Je vais essayer de répondre de façon assez concise, parce que c'est vrai que vous soulevez un énorme problème. À titre personnel, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites, en fait, puisque moi, en tant que retoucheur, j'ai vu ça aussi, puisque la retouche est en train de s'automatiser. La retouche beauté, par exemple, est automatisée, mais avec des standards, cette fois-ci. des standards américains, qui ne sont pas les nôtres, d'ailleurs. J'en discutais avec le directeur de création d'une agence de publicité et en fait me disait que tout le budget Roughman, Maquette, etc. avait été redirigé vers de l'IA et ils travaillent eux-mêmes, ils ont lancé des services de R&D IA dans les agences de publicité. Donc on parle des gros mastodontes, hein, Havas, Publicis, etc. qui sont, j'imagine, vos plus gros clients, hein, notamment dans l'industrie de la mode. Donc on est face à un énorme souci où l'IA va finir par remplacer malheureusement les photographes, hein, si c'est en tout cas ce que vous semblez évoquer. On n'a pas de solution. Ouais. Non, mais à ce niveau-là, ce qu'il faut, c'est je pense, va y avoir un moment où va y avoir une véritable, ça va être pris en compte, va y avoir une hype en fait sur l'IA, et je pense qu'ensuite on va être comme les boîtes de luxe Chanel, etc., qui vont revenir vers de l'artisanat. Voilà, vers du réel. C'est aujourd'hui ce que font ces marques-là. Elles reviennent justement vers l'artisanat, vers la main. Et c'est ce qui risque d'arriver. Je pense qu'on va voir, là, pendant les 5-10 ans à venir, on va voir énormément d'images IA jusqu'au trop-plein. En fait, c'est comme au début de la retouche photo. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, on en a trop, c'est saturé, et ensuite, ça vient se réguler un petit peu tout seul, quoi. Oui. Mais le problème, c'est que là, au niveau de la régulation, je vois mal ce que peut faire le gouvernement, puisque les clients, en fait, choisissent eux-mêmes. Si un client veut faire de l'IA, on l'a vu avec Undies, qui a fait sa campagne en full IA, et qui a bien marqué, justement, réalisé par une IA, d'ailleurs, sans trop préciser qui était derrière. Ouais. Alors, Undies, ils ont fait à l'envers. Ils ont fait le shoot avec les photographes et les modèles. Et après, ils ont mis de l'IA dessus. Ils ont entraîné l'IA, donc ils l'ont dit, on vous prend les droits print et les droits web. Ouais, avec tout le shoot, ouais. Ils ont uniquement gardé les droits web et ils ont fait l'IA pour $50 au lieu de payer le tarif normal.
Voilà. Mais je pense que de toute façon, l'industrie de la publicité va toujours un peu à contre-courant de la mode au bout d'un moment pour justement disrupter à chaque fois. Donc justement, quand on aura trop vu de l'IA, ça se rétablira. Mais forcément, oui, malheureusement pour les photographes, je pense qu'on va vers une période encore une, un peu difficile. De toute façon, Oui, exactement. L'utilisation commerciale de l'IA. D'ailleurs, quand c'est généré 100% par une IA, c'est interdit commercialement de publier. Dans la publication de la presse commerciale, par contre, ils n'ont pas interdit pour la recherche et pour l'éducation. Ça, pour moi, c'est une approche intelligente pour le moment, le temps qu'on arrive à contrôler cette machine. Ouais. Nous allons devoir clôturer ces débats. Je suis désolée, nous sommes au travail dessus et il y a énormément de pistes. Et nous avons besoin de vous, évidemment, pour contribuer à cette réflexion. Merci beaucoup, Clémentine, et bien merci à tous nos intervenants. Merci à tous d'être restés d'avoir débattu de ce sujet compliqué.